Bonjour et bienvenue dans le défi 86, à la 82e vidéo du défi 86. Je suis de retour dans mon paradis, je suis de retour chez moi. J'ai intitulé la vidéo d'aujourd'hui « Se sentir aimé ». J'arrive d'un salon à Granby et ce que je porte aujourd'hui, c'est ça. Est-ce que vous vous sentez aimé pour ce que vous êtes? Pour ce que vous reflétez. Est-ce que... Puis là, je vous pose la question, là, très, très, très sincèrement, là. Prenez le temps de vous déposer, là, puis de venir voir, est-ce que je me sens aimée? Est-ce que je ressens ça, cet amour-là, à l'intérieur de moi? Et moi, quand je fais ça, ça me ramène dans mon enfance. Ça me ramène à certaines parties de ma jeunesse où je, malgré tout, tu t'es fait trahir, oui, très, très possible, tu t'es fait trahir, Brigitte. Ce sont des blessures d'âme, ce sont des blessures d'enfance que tu portais même déjà et qui font que ça a été ravivé par des situations et des événements. Ah, tu vois, toi, l'amour, ça te ramène à ta maman. Fait que t'es sûre de te sentir aimée par ta maman. Tu sais, c'est fantastique, ça, c'est extraordinaire d'avoir cette sensation-là. Moi, dans mon enfance, je n'avais pas cette impression-là. Là où je me sentais aimée, j'avais l'impression que c'était plus grand que moi. Je me sentais aimée dans l'environnement dans lequel j'étais, c'est-à-dire quand je me retrouvais dans l'eau, quand je me retrouvais face aux animaux, quand je me retrouvais dans les éléments, c'est-à-dire en présence de la nature, des arbres, de la flore, de la faune, quand je grimpais en haut de mon arbre, quand que toute cette sensation de bonheur, de plénitude qui m'emplissait. Et ce que je constate, Brigitte, c'est que c'était l'amour de moi que je m'accordais. Ouais. L'amour de moi que je m'autorisais dans cet espace. Et ça, c'est comme si je me connectais à quelque chose de plus grand que moi. Et qui faisait que je me sentais aimée de faire partie de ce monde. De pouvoir faire partie de ce monde. Comme si c'était un privilège, un cadeau, et qu'il fallait que je sois aimée pour être ici. C'est comme ça que je le vis, c'est comme ça que je le sens. Malgré tout ce que j'ai pu vivre dans ma vie, malgré toutes les blessures, malgré toutes les souffrances, toutes les situations, tous les acteurs qui ont fait partie de ma vie et qui sont venus réveiller en moi cette partie-là souffrante qui existait déjà, hein, parce que les blessures d'âme, on arrive avec. Et ils ne sont pas déclenchés ici, là, ils sont ravivés ici. On les porte déjà, ces blessures-là. De reprendre cette responsabilité-là aujourd'hui en conscience et de dire « Wow! » Je suis venue vivre ces expériences-là pour l'expérience, pour voir comment à l'intérieur de moi, dans cette expérience-là, je pourrais m'accorder à moi-même plus d'amour. Me sentir aimée, je me sens aimée aujourd'hui. Salut Carole! Je me sens aimée aujourd'hui. C'est comme ça que je me sens. Tu sais, il y a des soubresauts, il y a des journées maudites que ça va pas bien, que me semble que, tu sais, t'es chambardée, t'es beaucoup plus dans l'agressivité, dans la non-acceptation, dans le refus, dans le refoulement, dans la banalisation, tu sais, c'est... Prendre contrôle de ma vie en 2019, je m'accorde plus d'amour. Ouais. Oui, s'accorder plus d'amour. C'est là où, prends le temps, déjà, juste voir, là, tu sais, si tu t'arrêtes, puis avec l'amour que tu t'accordes,
comment tu te sens? Est-ce que tu te sens aimé? Puis est-ce que ça t'ouvre comme une sorte de je sais pas comment appeler ça, là. Je sais pas si tu peux appeler ça un canal ou alors whatever, là. Est-ce que tu te sens comme il y a quelque chose de plus grand que toi qui t'aime? Moi, ça me fait tellement ça, là. Tellement cette sensation, cette expérience de sensation-là que je vis présentement, de se sentir aimé. Et je me rends compte que plus je m'imprègne de cet amour de moi, de m'aimer pour qui je suis, plus j'ai cet élan d'aimer l'autre. Plus je ressens intensément à l'intérieur de moi cette propulsion d'amour envers l'autre, mais pas dans un amour sans condition. Tu sais, c'est pas un amour infini où dire, comment je dirais ça, où je donne à profusion, mais que tu sais, je m'accorde rien à moi là. Tu sais, c'est pas dans cet espace là. C'est vraiment, ça part de là là. Tu sais, c'est puissant, c'est une émotion qui est intense et qui fait et que je me sens tellement aimée que je t'aime. Je t'aime pour ce que tu es. Je t'aime tel que tu es. Et t'es tellement beau comme ça. T'es, accepte-toi dans toute cette différence, dans toute cette imperfection, en tout cas qu'on juge imparfait, là. Puis, aime-toi. Sens-toi aimé. Sens-toi aimé par toi-même, d'abord. Et sens-toi aimé par plus grand que toi. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça vibre aujourd'hui. C'est comme ça que ça vibre aujourd'hui. Et il y a le party qui s'en vient vendredi. Je me sens privilégiée. Je me sens aimée d'être entourée de tout ce monde que j'aime. J'ai hâte de vous rencontrer. J'espère avoir le temps d'être toute aller vous voir, tout le monde, de pouvoir discuter un peu avec chacun d'entre vous. Ça, c'est mon souhait, parce que c'est ça, je me sens aimée. Et j'ai l'impression d'avoir fait comme cette rencontre-là avec moi-même, tu sais, avec mon âme, avec moi-même petite, avec moi-même ado, avec toutes ces moi-même dans toutes mes étapes de vie. Et il y a comme une acceptation de moi-même qui rentre dans toutes ces expériences que j'ai décidé de vivre. Puis ça fait beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Nourrissant. Je vous souhaite de ressentir ça. Je vous souhaite de vous l'accorder. De vous accorder ça, cet amour-là. Parce que vous le méritez. Vous êtes. Il y a une divinité incarnée, hein? On l'est tous à quelque part. Et on est tous venus vivre cette expérience de qu'est-ce que ça fait et comment dans ça je vais pouvoir m'accorder encore plus d'amour. Fait que je vous dis bye et à demain. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, confirmez votre présence, c'est le temps de le faire. Vous m'inscrivez en message privé, c'est suffisant. Pour vous assurer que vous aurez vos places. Sur ce, moi je vous dis à demain.